J'ai commencé en 1973. Donc je suis quand même à ma 49e année de licence en non-stop. Donc je pense que ça fait pas mal. Et j'ai commencé avec une petite rallye 2 groupe 1. C'est une voiture qui fait 1080 kg pour l'homologation. Bon, on est pratiquement au poids. Et puis au niveau puissance, tout dépend de l'essence qu'on utilise, mais ça avoisine autour de 360 chevaux. Je ne sais pas exactement. Peut-être que dès qu'on pourra, on la passera au banc. Mais bon, le rapport poids-puissance est bien. Et puis la voiture, elle est très bien équilibrée. Et puis bon, ça fait plaisir de se retrouver avec une propulsion, parce que j'ai vraiment fait pratiquement toute ma carrière avec des propulsions, sauf quelques saisons avec la Seat, avec laquelle aussi, je me suis bien amusé quand même. Mais voilà, je préfère la propulsion, c'est quand même plus plaisant à conduire. Alors déjà le parcours, je pense que la course se joue beaucoup dans le premier droit, parce que là il faut vraiment avoir un gros cœur, parce qu'on arrive très vite avec le départ décalé depuis quelques années, là on démarre beaucoup plus bas, donc on arrive beaucoup plus vite dans ce premier droit. Comme on n'est jamais sûr de l'adhérence, donc je pense que ça peut passer beaucoup plus vite, mais j'ose pas, donc j'espère que demain j'aurai repris confiance. Et puis après, la partie du milieu est très très sinueuse, donc là il faut être très très propre, appliqué, et avec des freinages le plus tard possible et essayer de rester dans les bonnes trajectoires. Et ça, c'est pas évident parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'adhérence. Donc la moindre glisse, ça y est, c'est tout de suite quelques dixièmes qui s'envolent. Donc il faut une conduite très fine et puis de se faire plaisir.